Bonjour à tous et à toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bah, je vais bientôt reprendre le boulot parce que ça fait plus d'un mois et demi qu'on est à la maison, qu'on en a marre. En plus, on commence à prendre de la brioche et la barbe, elle commence à pousser. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un petit support pour les machines d'angle, pour les disqueuses d'angle. Vous savez, pour pouvoir débiter beaucoup plus facilement des longueurs pour qu'elles soient droites. Voilà, c'est parti. Allez, je vous montre ça. Voilà. Voilà, c'est ça la bête. Voilà, tout ça c'est avec de la récupération de ferraille, ce qui se trouve dans les, c'est ce qui se trouve dans les renforts de fenêtres PVC en fin de compte. Voilà, je les ai coupés, j'ai fait quatre bouts, je les ai soudés sur les quatre côtés. J'ai mis une petite cornière de maintien pour maintenir la ferraille. Ici j'ai soudé un montant, voilà, en acier, j'ai tout soudé. Là j'ai mis une grosse charnière, une charnière, voilà, articulée. Là j'ai foutu un ressort pour ce qu'il reste du ressort, j'ai tout vissé. J'ai mis ça aussi, ça c'est un guide, c'est pour la disqueuse d'angle, c'est pour qu'elle soit bien maintenue, pour que je sois pile poil dans l'axe. Voilà. Là on va faire un petit essai. Je prends une disqueuse, toutes les disqueuses sont adaptables, il n'y a aucun souci. Je prends l'écrou, j'essaie de le mettre sur le pas de vis si j'arrive. Voilà, nickel. On visse ça bien, bien comme il faut. On prend la clé, on serre bien. Voilà. On serre bien fort. On prend un serre-joint pour maintenir le support. Je vais remettre un petit coup. Ça fait pas de mal. Voilà, nickel. Voilà, on fait ça comme ça. Ouais, comme ça, elle peut être maintenue. Et elle s'ouvre beaucoup plus facilement. On va prendre un bout de métal que je vais positionner ici. Je vais prendre un serre-joint. Un serre-joint, si je le trouve, je ne sais pas où je l'ai mis. Il faut que je le cherche. Désolé, désolé. Bah, ma foi, je l'avais positionné quelque part et je ne le trouve plus. Bon, ce n'est pas un problème. On va quand même faire la chose. On met ça comme ça. Ne pas oublier de mettre les lunettes de protection, parce que faut faire gaffe. Allez, c'est parti. On met ça ici. Voilà la coupe. Un peu ébavurée, mais sinon la coupe est droite. J'enlève les lunettes. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo, mais tout le monde peut le faire, hein, ce que j'ai fait. C'est pas sorcier. Voilà, il faut juste avoir une disqueuse d'angle et des bouts de métal. Ça m'a coûté pratiquement rien du tout, parce que un support comme ça sur Amazon ou vous allez chez Leroy Merlin, les trucs de bricolage, vous en avez pour une trentaine d'euros. Et là, vous pouvez le réaliser pour pas cher. En plus, ça vous fait travailler et voilà. Est-ce que vous voyez derrière moi, je sais pas si sur la dernière vidéo que j'avais postée, où je vous montre mon atelier, il y avait des étagères ici en métal. Du coup, j'ai tout viré, j'ai disposé différemment et j'étais à Bricorama, j'ai acheté des plans de travail et j'ai fait ça. C'est ma petite réalisation. Voilà. Plan de travail, ça me permet de bouger à droite et en face, l'autre côté. Comme ça, j'ai beaucoup plus d'aisance. Voilà. Bon, merci d'avoir visionné la vidéo. Visionné. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure de pêche à l'aimant. Voilà, les amis.